Une machine en libre service pour des instants fraîcheur. Des glaçons sitôt fabriqués, sitôt consommés sur le port de l'Amirauté. Pour boire le pastis déjà. Et puis voilà, c'est bien. On en prend un petit peu et puis on revient du port. Un litre de glaçons pour 1 euro, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La créatrice de Kiosk Ice a remporté le 7 d'or au salon professionnel de l'hôtellerie de plein air en novembre dernier à Montpellier. Au bout de quelques années de plaisance, je me suis aperçue que les glaçons faisaient toujours défaut. Donc je me suis dit un jour, mais pourquoi il n'y a pas de distributeur automatique? J'ai vu qu'en Europe ça n'existait pas et je me suis mis en tête de la sortir. Il m'a fallu 8 ans de travail, 8 ans d'entêtement hein, parce que je me suis entêtée. J'ai failli baisser les bras plus d'une fois, mais non, je suis allée au bout des choses. Aujourd'hui, elle est enfin là. Grâce à l'incubateur Initia, aux 60 000 euros de subvention de l'Agence de développement de la Corse et l'aide financière de la CADEC, la machine a pris forme ici, dans cette usine de Normandie. La conceptrice vient de signer un partenariat avec l'Union des ports de Corse et ceux de France, mais compte bien étendre sa clientèle. Voilà, j'ai eu une personne aussi qui m'en a parlé et qui m'a dit « va essayer cette machine, c'est super sympa ». Et oui, c'est sympa parce qu'en plus, d'après ce que j'ai compris, c'était des sachets biodégradables. Donc voilà, c'est bien pour l'environnement également. Quelques ajustements restent à faire. D'ailleurs, pour certains clients aussi, avant la série définitive des machines, prévue le printemps prochain. Have a nice day. Bye bye.